Est-ce que vous avez entendu ce son? Bonjour les amis, bienvenue dans le 11e épisode de Track D. Et je vais profiter de ce premier tour pour rapidement vous parler de cette McLaren MP4 13 qui a disputé le championnat 98 de Formule 1. On est à Spa-Francorchamps, pourquoi? Parce que cette année-là, le Grand Prix de Belgique a été marqué non pas par les intempéries, mais bien par le nombre hallucinant d'accidents, et notamment l'accident le plus important de l'histoire de la F1, avec je pense 14 ou 15 monoplaces impliquées après l'accident à la sortie de la source, provoquée par ce garçon qui tourne actuellement sous vos yeux, David Coulthard, le pilote écossais, qui termina cette saison 3e derrière un certain Michael Schumacher et surtout derrière le Finlandais volant Mika Häkkinen, champion du monde pour la première fois cette année-là. Il sera champion aussi l'année suivante en 99. Mais parlons un petit peu de la saison 98 et de cette McLaren MP4 13. D'abord, la voiture, elle a été dessinée par Adrian Newey, donc, que vous connaissez bien pour avoir sévi chez Ferrari, Red Bull et bien d'autres équipes auparavant. Elle pèse 600 kg, elle développe 800 chevaux grâce à son 10 cylindres, un bruit magnifique qu'on aimerait bien revoir en Formule 1 très vite, monsieur Bernie, si vous m'entendez. Et elle est chaussée de pneus Bridgestone, à savoir qu'à l'époque il y avait deux concurrents, deux manufacturiers qui se disputaient le titre, à savoir Bridgestone et Goodyear, voilà, qui équipait, je pense, les Ferrari, si je ne dis pas trop de bêtises. Concernant la saison 98, rapidement, cette voiture a été la voiture avec le plus de pôles, 12, 9 records du tour, et surtout 9 victoires, toutes à attribuer, je crois, à Mika Häkkinen. Il y a peut-être eu un Grand Prix remporté par Coulthard, il faudrait que je vérifie dans mes archives. Donc voilà, une vraiment, je pense, sans trop m'avancer, le meilleur mode sur Assetto Corsa. C'est beau, c'est efficace, c'est un gameplay génial, c'est digne d'Air Factor. Honnêtement, c'est digne d'un très bon mode Air Factor. Donc je vous conseille le lien dans la description et je vous laisse profiter de plusieurs tours de cette McLaren sur Francorchamps qui est vraiment un pur régal et je le dis sans me retenir, c'est le meilleur mode Assetto Corsa à ce jour.